YouTube La Patarise. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle recette. Alors c'est un layer cake rose et or, donc j'espère que vous plaira. Je suis désolée pour ma petite voix, je suis un petit peu malade, mais j'avais tellement envie de vous montrer cette super recette que j'ai pas pu résister. Donc let's go. Alors pour réaliser ce super cake, il vous faut dans un premier temps un bon cake. Donc un molly cake par exemple, ou une génoise, c'est comme vous voulez. Alors oui, c'est un petit gâteau par rapport à ce que j'utilise d'habitude. C'est un gâteau, on peut dire, pour 4 personnes environ. Mais si vous voulez pour plus, vous doublez les ingrédients que je vous ai mis en barre d'infos. On a une concentrée de pommes et vous avez la recette en barre d'infos. C'est très très simple, un peu de beurre, un peu de sucre, tout ça dans la poêle. On laisse 2-3 minutes et puis c'est prêt. On a une superbe crème au beurre à la vanille que moi j'ai colorée en rose très très pâle. On a une crème fouettée et on a un petit peu de sirop, donc tout ça, vous trouverez toutes les recettes en barre d'infos, juste en dessous ou sur mon site web lapatarise.com. Alors, on va procéder au montage. Dans un premier temps, vous choisissez bien vos disques. De préférence, vous laissez le plus plat pour le top du gâteau. Alors moi, je n'ai pas de support, j'ai totalement oublié d'en acheter un, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre un petit peu de papier cuisson, je vais mettre un petit peu de crème au beurre juste en dessous pour éviter que ça glisse. Et ensuite, comme d'habitude, un petit peu de crème au beurre au milieu. Je prends mon premier disque et je le positionne bien au milieu et j'aplatis. Ensuite, je prends mon sirop et j'invite. Ensuite, avec ma crème au beurre, je viens sécuriser tout le tour. Ensuite, à l'intérieur, je vais mettre un petit peu de crème fouettée, pas trop. Et ensuite, je vais mettre mes petites pommes caramélisées. Et je comble les trous qui restent avec la crème au beurre. Donc je vais le mettre au minimum une heure au frais. On va pouvoir totalement recouvrir le gâteau. Donc toujours, pour ma part, avec la même couleur, je vais venir recouvrir tout mon gâteau. Donc maintenant que mon gâteau est bien droit, je vais tout simplement mettre mes petites pépites juste en bas de mon gâteau. Et maintenant, on va tout simplement lisser le haut de cette manière-là. Et donc, après un repos de 30 minutes au frais, on va venir tout simplement racler en haut afin d'avoir une surface bien droite. Donc maintenant, pour le décor, on va tout simplement bomber ce qui se trouve tout en bas, jusqu'ici, en or. Soit avec une bombe or, avec un aérographe, ou sinon vous pouvez y aller directement à la peinture. Donc avec l'aérographe, je viens tout simplement déposer ma peinture or à l'intérieur et je vais commencer à peindre tout en bas. Et maintenant nous allons réaliser notre topping. Donc pour ça on commence. Ensuite, on en fait un juste en face, on en fait un entre chaque et on termine. Et ça, c'est facultatif, on peut rajouter des petites perles. Vous pouvez rajouter des pétales de rose. Et voilà, notre super cake terminé. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a surtout donné envie de réaliser ce super layer cake rose et or. Quant à nous, on se dit à une prochaine vidéo avec une nouvelle recette, bien sûr. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur mon compte Instagram, La Patarise. Et n'oubliez pas de vous abonner. Ma salama !